Et nous sommes repartis. La dernière fois, nous avons fait une mission où c'est qu'il y avait des ombres. Franchement, les ombres nous ont beaucoup aidés dans le combat. Donc, on s'est pas fait toucher. Il n'y a pas eu de stress. Arme lourde, intéressant. Il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de problème. On a récupéré du renseignement, c'est cool. Il faut qu'on augmente le contact. Il faut qu'on augmente à tout prix le contact. On va regarder ça vite fait. Centre, matrice, psy. Contact. Ah, on est toujours assis. En fait, on n'a jamais fait de machine là, de trucs, de bâtiments. Centre d'entraînement, cercle de la résistance, institut de guérilla. Ok, d'accord. Après, on a le terrain d'essai pour créer les autres trucs. Ça, c'est pour soigner les mecs. Matrice de défense, c'est les tourelles. Comme j'avais dit, tourelles, c'est bien. Ah, on peut faire ça maintenant. Le système défensif a été amélioré. Comme ça, on a 4 tourelles. 4 tourelles. Centre d'entraînement. Ah, c'est bien. Cercle de la résistance, c'est pour les missions. Infirmerie. Infirme cœur, je modèle des personnes. Capable de rétablir instantanément n'importe quel soldat pour le renvoyer au combat. Ça, on l'a déjà, non? Ouais, c'est ça. Institut de guérilla. Nouvelle tactique, d'accord. Donc on n'a pas fait le terrain d'essai, c'est pour construire les trucs. Très étonnant, je suis très très étonné qu'on n'ait pas fait le... Ouais, non, vu que ça se passe bien avec le projet Avatar, on n'a pas eu besoin avoir de rusher les bases en fait. Et du coup, ouais. Bon bref. Alors on en était où nous? On était en train de faire quoi? L'alliage? Ça? Je sais plus. ...86 jours, ouais. Mais on peut pas parce qu'on est... on a atteint le max. Mais on peut... Enfin, en tout cas, c'est prêt. Arme lourde, butin aléatoire. Non, on va prendre ça. Calcul du nouveau cap du Talion. Arme lourde, c'est bien, moi ça j'aime. Va falloir qu'on passe à l'assaut aussi à un moment, forteresse de l'élu. Va falloir le faire. Puisque ça a marché, on devrait continuer, commandant. On le fait maintenant. Gagner des points de capacité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Volonté. On va recommencer. Volonté. 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 Promotion. Pirate. Promotion. Esquive. Un peu de la merde. J'ai envie de faire ça. Point de capacité, tout simplement. Ou alors, on cherche l'élu sorcier. Non, ça on va le garder pour Gordon. Donc on va prendre juste des points de capacité, on va mettre des soldats à la con, qu'on n'a pas besoin. Soldats blessés. Non, blessés on s'en fout. Pas important. Nos ordres sont clairs et nous les suivrons. Faut faire ça. Je les ai pas débloqués. On va récupérer de l'argent, on va voir. Marché noir. Je sais pas si on attaque la base alien maintenant ou pas, qu'on tue l'autre là. Le marché est ouvert. Je suis en train de me poser la question si on le fait maintenant. Moi je l'aime bien elle. J'aime bien quand elle parle. Qu'elle fait sa maline et tout. L'assassin.
On va aller garder les posters. Ta-da-da-da. Voilà. Non, pas ça. Oh. Vous avez sans doute remarqué que la radio de la Résistance ne passe que très peu de musique. Non. On n'en passe pas du tout d'ailleurs. C'est pas que je n'ai pas envie d'agiter les ondes à grand renfort de death metal bien de chez nous, hein, loin de là. C'est juste qu'Advent a mis la main sur absolument toutes mes bandes. Bon, non, là déjà. J'imagine que je pourrais chanter à la place, hein. Ouais, non. On l'a déjà. J'avais un doute. Je savais plus si quand c'était grisé en fait. Quand on l'a pas, c'est rouge. Faut que je me. Je crois. Conduit Delirium. Ça, c'est celui-là, c'est ça. Ouais, on l'a créé le conduit Delirium. Par contre, on n'a pas la conduite d'énergie. Et on pourrait faire un conduit d'hélium encore. Pour augmenter l'énergie, mais on n'a pas vraiment besoin de plus d'énergie que ça. Bon, on fait quoi? On attaque? Fatigue, fatigue, fatigue. On va laisser passer les jours, on va voir. Moi je dis pourquoi pas l'attaquer. Pourquoi pas le faire maintenant? Calcul du nouveau cap du Talion. Elle est juste là. Classe agent psy est sensible aux flammes, poison, acide. Forteresse est top. Ah, maintenant on pourrait. Waouh, ok, non, c'est bon, ça ira. Ce qui est sympa aussi, c'est que si ça, ça tombe sur un templier, ça serait vraiment cool. D'avoir forteresse, c'est vraiment bien. Moderniser l'exo. Parfait, commandant. Je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé. Donc maintenant on peut créer les munitions bleues là. Ouais, on peut faire ça là aussi, blindage d'Icar. On a combien de noyaux? Un. Voilà, un peu de munitions venant en plus. Faut les rechercher les balles, qu'est-ce qu'il faut faire? Le travail avance bien, commandant. Ah non, faut les acheter. Je ne peux qu'admirer le courage et la ténacité de nos hommes sur le terrain. Ils affrontent un ennemi bien armé et entraîné, mais leur loyauté envers la cause reste inébranlable. Ah, commandant. Ouais. Les grenades UM. Et les balles munitions écran bleu. Et les Warhead. C'est les munitions... C'est les mêmes grenades, mais améliorées. Ça vient d'un mode. Mon père a sacrifié la seule chose qui lui restait pour faire décoller ce vaisseau. On vient de se prendre un carré. Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Ces découvertes s'avéreront sans doute cruciales pour nos efforts, commandant. Ma curiosité intellectuelle a beau être immense, je me demande... Le plus dangereux de mes trois. Très bien. Oh, pardon. Bon, allez, go la forteresse. Attends, je vais voir si... Je regarde juste une dernière fois si tout le monde n'est pas fatigué. Et après, go la forteresse. Fatigué 3 jours.
5. Faudrait 3 jours. Faudrait tenir 3 jours encore. Nous avons achevé nos recherches en un temps record, commandant. Comme le docteur Vallen l'a noté dans son rapport, elle s'est montrée irresponsable et limite irrationnelle. En poursuivant ses recherches, comme Shen... Je les mine. Ressources stratégiques localisées. Très bien. Encore 17 heures. Putain, aléatoire ou arme lourde. Pff, les deux, c'est de la merde. Guérison rapide. Construction rapide. Guérison rapide. Renseignement. On pourrait prendre un peu plus de renseignements, quoi qu'on n'a pas vraiment besoin. Ouais, non, franchement, c'est un peu de la merde, tous. Autant mettre le butin aléatoire. Calcul du nouveau cap du Talion. Commandant, nous avons la position d'un ovni vulnérable qui s'est posé dans cette région. Si nous faisons vite, nous pourrons récupérer des ressources et du matériel à bord de ce vaisseau. Ah. Ok. Nous mettons le cap sur l'Arctique. D'accord, bah franchement, je voulais juste faire passer un jour et lancer l'attaque contre le... Enfin, contre l'assassin, là. Un de nos soldats doit être équipé du Jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. Mais au final, non. Au final, non. C'est toi qui as les balles de feu. Poison, glace, explosion. Je crois qu'il va avoir l'élu là. Il y a écrit très difficile et il n'y a pas, il n'y a plus les boss, on les a tués, les chefs. Donc on va prendre un atout. On va prendre Monsieur Spark. Le prétorien. Il peut pas se faire contrôler. Bouclier mental. Munitions de feu. Toi t'as viseur, auto-chargeur.
très bien. Munitions venin, munitions feu. Faudrait plus de protection anti... anti-contrôle mental. On avancera ces deux-là et les autres, ils resteront en... ils resteront en retrait. De toute façon, honnêtement, il me fait pas vraiment peur. Cela peut porter une clé mort supplémentaire lors d'une mission. 14. Distraction. Une victime par clé mort met un faucheur dans l'obscurité. Performe l'armure pour les deux tirs portés depuis l'obscurité. Perforation d'armure plus 2 pour les tirs. Okay. Tire un point de dégâts en plus si la cible a été blessée pendant le même tour. C'est pas mal ça. Genre c'est bien pour finir en fait, c'est encore mieux pour finir. Mais j'aime bien la perforation. Oh là 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 là. Non, ça c'est les gros, 25 et tout ça, non. Option violente plutôt, non. L'unité gagne une action supplémentaire au tour suivant lorsqu'un ennemi tire dessus. Bon, on n'a pas trop de protection, moi ça me gêne un peu. Du coup, il faut qu'on prenne des grenades normales. On n'a pas de flashbang. Bon, on a des leurres. Poison glace, protection, protection, protection. Elle restera de tapis dans l'ombre. Elle, faudra qu'elle reste loin ou alors on lui met une protection. On va lui mettre une protection, allez. Parti. S'il faut les protections, on servira à rien, mais on est dans son territoire, il est écrit très difficile. Je crois que les chances que les élus apparaissent sont augmentées pour ce mois-ci, parce qu'on l'a pas, arrêté en fait. Cet événement, donc du coup, ouais, enfin c'est mieux comme ça. De toute façon, on est tellement bien équipé, donc ça va, c'est pas vraiment. C'est des détails après le reste. Mais ça peut vraiment nous aider. Un agent de la résistance a réussi à neutraliser un ovni qui s'était posé près d'un de leurs camps dans le secteur. Ils nous ont transmis sa position. Il doit transporter de précieuses technologies extraterrestres. Nous allons donc sécuriser le site, neutraliser tous les contacts hostiles en approche. Parti. Menace 1-5. Coordonnées du site de l'OVNI verrouillé. Sécurisez la zone et neutralisez l'ennemi. Stealth mode. C'est parti. Je suis à vos ordres. C'est un peu étrange d'avoir bloqué un ovni comme ça. Enfin, je sais pas, c'est rare. Je change de position. C'est extrêmement rare. Je vais vous demander.
What? Where? Come on! Move! Réduit tout le temps de recharger mon capi. Oh putain, mais ça aussi? Je crois que. I'm ready! Je crois que c'était automatique, mais en fait non. Le robot a pas beaucoup de vie, il a que 15 hein, au final. Je me déplace. On a qu'à se mettre là. Where am I going? Je sais pas. Je sais pas, Gordon. I'm watching. I'm always watching. Ça bouge, hein. Il y a des gens qui bougent. Je bouge. Ça fout un peu les boules de voir personne comme ça. N'essayez pas de vous cacher. Ah, ah, leur patrouille approche. Ok, c'est un peu des patrouilles de merde. I don't want to go this way. Move! This place is a maze. No one, personne ne passera. Ah, ils vont peut-être nous voir. Non. Il y a du robot. Il y a du mecha. Je vois même dans le noir. Des éclaireurs extraterrestres. Deux pods. De deux. Faudrait qu'on voie à l'intérieur. J'y vais. On n'est pas limité en temps, hein, donc on va... Je vais y aller doucement, hein, attention. Je vais d'abord faire le tour avec Elena, je vais voir ce qu'on a. En plus, ils arrivent vers nous, donc c'est cool. Si les deux potes peuvent venir vers nous, c'est plutôt cool. Monter. Par contre, s'ils montent, c'est un peu chiant. Enfin, quoique, on est à côté. Ça vient de monter, ça vient de descendre, je crois. À vos ordres, commandant. Je crois qu'il y a un truc de sécurité. Non, il n'y a pas un truc qui va apparaître. Ma vie est entre vos mains. On est juste à la limite, ils nous ont toujours pas vus. Hein.
Non, on les voit. Mais eux, non. Non, on est bien là. On n'est pas top parce qu'on a le mur à gauche, mais si on se met en hauteur, en fait, ça va être chiant pour se déplacer. Bon, ils arrivent sur nous. On va peut-être, tout le monde va peut-être bouger vers nous et on va tirer sur tout le monde. Dans l'instant, c'est mieux parce qu'ils seront beaucoup plus proches. Ouais, ils nous ont vus. Je suis un robot géant. C'est quoi votre excuse? Allez, c'est parti. C'est cool. Suivant. C'est tout? I'll kill every last one of you bastards. Menace 1-5. Nous venons de capter un signal provenant de l'OVNI, une sorte de balise de détresse. Vous devez entrer dans ce vaisseau et couper le signal avant qu'ils n'envoient toute leur flotte à nos trousses. Ça marche. On a à combien? Toi t'es mort ou t'es vivant encore? Toi t'es mort. Il reste plus que lui en fait. C'est trop bon. Ces modèles inférieurs ne tiendront pas longtemps. Faut qu'on lui augmente la... Faut qu'on lui augmente son arme à lui aussi pour qu'il fasse plus de dégâts. Ou alors on a la meilleure, mais ça m'étonnerait. Notre réussite, mon arme est d'inspiration. Arrête de parler par-dessus toi. Est-ce que le machin il peut prendre les objets? Non, on peut pas. Cool. Tablette de données, c'est bien ça. This is what I'm talking about. Now come to Papa. Yeah, keep on gargling. I'm reloading. Je vous fais confiance. Ça va, on a 6 tours. Vous ne m'échapperez pas. Ok, il y a du neuf. Where am I going? On va se reculer un peu du coup. On va se mettre là. We can do that. Aha! Vous avez été jugé. Je savais qu'il allait venir. Alors l'élu se téléportera après avoir subi des dégâts, peut appeler des soldats d'Advent, les tirs manqués contre l'élu créent une protection, régénère la santé. Subi des dégâts supplémentaires à partir de 3ème attaque dans le même tour, ça c'est bien, les Templiers infligent plus de dégâts, on n'a pas le Templier. Et je suis votre châtiment. Nous venons tout juste de capter une signature spécifique. L'un des élus est là. Cette créature nous causera des ennuis si on ne s'en occupe pas. On est au courant. Je vais me placer. La source d'énergie de ce vaisseau doit être une nouvelle variante du générateur à Hélérium qui alimente les systèmes du Talion. On va se faire voir, non ? On va se faire repérer. Désactivation de la balise.
On va attendre, on va attendre. On va le faire le prochain tour. Et peut-être que pirater, ça met pas fin au tour. Et après, on pourra se remettre en obscurité. Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. On va voir. Bon, eux, ils sont là. Ils vont approcher bientôt. Ça fait du bien de pouvoir bouger. What's over here? Vous défendez aveuglément la première cause qui se présente à vous. N'est-ce pas le cas, traître? Vous serviez bien mieux sous l'égide des anciens. Keep an eye on those military fucks. Il y a encore 4 tours. Eux, quand ils vont arriver, ils vont se prendre des balles. La mort. Ah oui, il va créer des zombies à côté de nous. 3. Oh, wow, ok. Ils explosent. Shut up. Ton pouvoir ne peut être comparé à ces êtres primitifs. Defenders eliminated. Not as bad as it looks. Okay. On va voir. Cool. Nous avons coupé leur signal. Ah yes, t'es... attends. Le ciel a l'air calme. On attend qu'ils finissent de parler. Oh, ok. On a quand même du 50-50. D'accord, ok. J'étais pas sûr de ça, par contre. J'étais vraiment pas sûr. Donc c'est cool, c'est cool. On va pouvoir aller chercher l'élu. Je vais où vous voulez. Très bien. Je recharge. Je recharge. Pas vu que personne va bouger. Là, on pourrait se mettre là. Comme ça, on est plus à la vue, en fait. Enfin, on est plus susceptible de voir les machins. Elle faut qu'elle avance un peu. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about it. Que la pitié des anciens voilà. Inonde les impies. Là, c'est mieux, là. Très bien, très bien. Là, c'est mieux. Oh, merde. Putain, c'était la plus importante. Ça va. Êtes-vous prêt à vous acheter? La tête qu'il a. Alors, le plus important, c'est de tuer les. Oh, hold on. Let me reload. Les sectoïdes. There. 7 à 9, mais ils ont 10. Lui, on le tue pas ce tour-là. Si
On le tuera le prochain tour. Faire colère sur lui. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus personne d'autre. Je représente les oubliés placements tactiques. On fait une pluie de balles. Pour être sûr. Voilà. Reste, reste. La faiblesse de ces minables ne fait qu'accentuer le besoin de ma présence. Vigilance confirmée. I'm watching. I'm always watching. Toi, il faut qu'on trouve le truc. Faut qu'on trouve l'élu. Je vais où on a besoin de moi. Vous n'irez plus nulle part. Oh là. Ok. Je bouge. Pouh. Il y a encore un pod. Je vous sacrifierai en l'honneur des anciens. Just a moment. On va voir si on peut pas prendre contrôle du truc. On n'aurait pas dû détruire l'armure. Bip 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 bip. Yeah, I'm gonna go crazy. Et merde. Merci Gordon. Ah putain, merci Gordon. On a du 8-10 avec un 10% de crit. Parce que sinon on a l'overdrive, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Ah bah on va devoir l'utiliser. Attention à eux. C'est moi. Oh, sa gueule. Sa gueule se brouille à chaque fois. Normalement, ils attaquent pas. Non, ils s'activent par contre.
Ouais, non, là il va le tuer, il va pas exploser directement, faut qu'il s'active avant de... Ouais, voilà. Mon combat va continuer. Et après ils font une explosion quand on les tue. Mon pouvoir balayera le champ de bataille. Bon, eux, je sais pas trop comment on va les faire. S'ils avancent pas, on va devoir avancer doucement en fait. C'est nous, on va devoir avancer. Ouh, ok. Ah vache. Toi t'es pas activé. Je crois. Je suis contraint d'accepter. Normalement il va pas exploser, on est d'accord. Ouais. Donc on aurait pu le punch. On aurait pu le punch. Quoique non, c'était en cooldown. Maybe I should become a tour guide after this. I'm good at acting like I know where the hell I'm going. C'est pas loin. Ah, on va passer du côté gauche. Alien, pour tomber sur l'élu. Comme ça, on finit avec l'élu direct. Comme les autres, ils veulent pas bouger, c'est cool. Je suis à vos ordres. Donc autant en profiter. Rechargement. Je recharge. Yeah, I think I get the idea. Don't worry about it. Ça marche. Hell yeah, more firepower. That's what I'm talking about. Okay. Une longue approche. We have an objective. Vigilance en cours. Le bon choix. Come out. Allez, et honorez les anciens par vos actes. Le jugement des anciens est proche. Il doit se téléporter un peu à droite à gauche, je crois, vers l'arrière du vaisseau. Mais il va pas être dur à localiser. Et là, il y a de la place pour se déplacer. Donc on va faire ça, attaque, et on arrive par l'arrière, et on le fait par l'arrière. Et eux, vu qu'ils bougent pas, bon, ils vont se faire foutre. On les fera en dernier, sauf s'ils se décident de venir, mais ça m'étonnerait. I'm a track star. I'm amazing. All right, we're on it. These guys better not be jerking us around. Je cours. Je ne vous vois jamais courir quelque part. Voilà. Ils sont pas discrets. No one hides from me. No one hides from me. Allez, juste là. Combat. Sorcier, combien de fois on doit te dire qu'on n'entend rien quand tu parles en même temps que t'invoques des spectres à la croix? On lui a dit 50 000 fois, le mec. Ouais, il lui faut plus de HP au robot. Un peu chiant. Après, il a de l'armure, mais bon. Déjà en rupture spectrale, t'es même pas à côté. Faut bouger le robot. J'ai la grâce d'une gazelle. La mort de cette unité change quelque chose. La perte de ces subordonnés est aussi insignifiante pour moi que pour vous. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times.
Otherwise, I wouldn't know anything about guns. Très bien. Sorry. Me voilà seul. Je ne crains personne. Votre mort est proche. Volk m'a demandé d'obéir. Parfait. Je me dépêche. Can do. Where the hell are we going? Where the hell are we going? T'es marqué, mec. T'es marqué. Ce qu'on va lui faire après, c'est bannissement. Il va pas rire, lui. À vos ordres, commandant. On essaye de se mettre un peu tous à la même hauteur. Il y en a qui sont un peu en arrière. I don't want to think about this. Watch my back. Shortcut, come on. Voilà. Après, on va lui mettre aussi la clé mort et tout. Je serai vigilante. Les incroyants périront. Vos hommes périront et vous rejoindrez les anciens commandants. Non. Je crois qu'on va attendre un tour parce que il va re-invoquer ses merdes. Donc on va attendre un tour, je pense. I'm ready. Sort of. J'ai commandé de rechargement. Je peux attaquer tout ce qui passe près de moi. Là, il devrait invoquer, ou alors il bouge. D'accord. Avec quelle rapidité mes frères vous ont attaqué. Ah voilà. Pourtant, vous êtes là. Témoignant de leur honteuse défaite. L'élu est en position. Il est temps de l'éliminer. Ah, ça, il nous voit. Tiens des serviteurs des anciens. Et il nous a vu en fait quand il a avancé. Oui. This is kind of like shotgun chess, right? You just kill them in the right order. L'esprit écorché. Tir 92%. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a une baisse après? Oui, partiel défaut. Non, je crois que ça a tout simplement pas marché, c'est ça? Je crois que ça a tout simplement pas marché en fait. Qui a un lance-roquette? Non, personne a un explosif, c'est ça? Je me rappelle plus, putain. Toxique. Ouh, tu peux le tirer dessus. Ouh. Parfait, ok. Un piège mortel. Je peux pas avoir. Putain, je peux pas avoir les trois. Ça t'es cool.
I love this job. Alors là, ça va faire mal. Tu vas prendre cher, élu. Ah, très bien. Changer de position dès qu'il a été touché. Mais apparemment ça a pas marché. On peut aller le taper et on se retrouvera derrière les autres. Ah ouais, par contre... Ouais, non, ça va. Je sais pas trop, on l'envoie. J'ai envie que le robot fasse un peu... Qu'est-ce qu'il fait? Non! Ah ok, il a bougé de place. Réduit à faire appel à des machines. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois pas où il est le mec. Il y a un bug de graphique en fait. Du coup on a perdu. Je sais pas. Renforce ma détermination. Ah, regardez quand on se met. Genre, on balance là. Vous voyez que ça le gèle. Donc, il est en hauteur en fait. En fait, il est en hauteur. Ok, ça marche. Putain! Il va aller à droite, il va aller là-bas. Ah là-bas. Vous ne faites qu'aggraver les souffrances qui vous attendent. Ok, maintenant il est là-haut. De plus en plus de dégâts, hein. Je veux pas dire, mais 12, 13, 9. Non, le. Je savais que ce serait un échec. Oh putain. Yeah, keep on gargling. I'm reloading. Qu'à faire ça. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve ça. On va faire ça. Parce que là, il aurait pris extrêmement cher.
Mox, j'ai l'impression que Mox, tu nous fais pas un peu de la merde. Vous osez attaquer le champion des anciens, vous allez connaître une souffrance éternelle pour racheter ce crime. On peut pas faire rejouer. Ah, il est trop loin là. Trop loin. Ma vie est entre vos mains. Faut que Mox le chasse. Ah, rétroactif. Rétroactif, c'est ce qu'on a mis. Oh la vache. Ok, ça va faire mal ça. C'est ultra rare qu'il utilise son arme. Extrêmement rare. Ah, bien joué. Putain, vous faites de la merde tous là. Je suis frustré, ça y est. Est-ce que si il se téléporte, il va... Non. Donc tu téléportes dans le poison, sale con. Et le feu, t'aimes? Comment tu réagis au feu? Faiseur de pluie. On va aller récupérer l'objet en même temps. Ou alors on le gèle. Comme ça il bougera pas. Eh, hey, on a fait du crit, ça a fait des dégâts. On a bien fait de le prendre. Reloading. Parce que les choses, les grenades qui font pas de dégâts comme les flashbangs, les conneries comme ça, même la glace, si elles crit, bah du coup elles vont faire du 3 de dégâts, c'est pas mal. Voilà, allez, casse-toi. On pourrait farmer les points de capacité. Ça va, t'es énervé? Bah, tu parles plus? La confiance des anciens sera ébranlée par le résultat de notre dernière rencontre. Mais je vais me racheter. Beau travail, commandant. Mais il n'y a plus aucune trace de cet élu. Même si nous avions déjoué ses plans pour l'instant, j'ai l'impression que nous nous recroisons. Une approche assurée. Bon, c'est bien passé.
Bon, faut tuer le reste là. Faut chier les trois autres. Je vais où vous voulez. Genre bien. Ah oui, non, bannissement, ça fait voir. Je vais me placer. Il n'y a que ces deux. Je crois qu'il y en a trois quand même. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait que deux. J'avance rapidement. Une petite minute. Ok. Vous confirmez que c'est bien votre ordre ? Il ne peut pas se faire empoisonner. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Keep your eyes open. I'm ready. And shoot him if you see. I'm ready. Ah, ça, ils arrivent. Ouais, il y en a que deux. Bon, lui on voit pas. Fait chier que ça soit lui qui passe en premier. Shit. Ah, je suis bien d'accord. Ouais, on va pouvoir s'avancer. Pour ceux qui ont péri. Viens là, toi. Ou pas. Oh la vache. Cette unité est relativement agile. Vous m'embêtez tous. Vous m'énervez. C'est toujours un petit truc qui foire et ça fait un peu merder le truc. Ça fait un peu merder le reste. Donc ça commence à me saouler. Ah là, vous me faites chier là. Honnêtement, vous me faites chier. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. On a du 100%. Test. Allez, go. Voyons voir ce que ça donne. Yeah, critique. Il est temps de nous battre à découvert. Vous n'avez rien de plus difficile pour moi. Bon, ben voilà. There. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Voilà, critique, passe. Malgré la destruction semée sur son chemin, XCOM refuse d'abandonner les habitudes de l'ancien monde. Leurs soldats continueront leurs crimes gratuits et dangereux jusqu'à ce qu'ils aient réduit notre monde en cendres.
Nous remercions les anciens de nous aider à mettre un terme à cette menace une bonne fois pour toutes. Les élus des anciens sont très résistants. Malgré notre victoire aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à apprendre pour les détruire définitivement. Pas mal, pas mal. En fait, c'est vachement bien tombé le coup de l'UFO. Là. C'est extrêmement bien tombé au final. Même étonné. Alors, tir rapide ou faucheur? Faucheur, c'est corps à corps. C'est ça? Faucheur, c'est corps à corps. Donc, on va mettre tir rapide. Elle a 4 points. Marche furtive, non. Visée holographique. J'ai envie de prendre visée holographique. Comme ça, tout le monde a tout le monde a visé holographique, donc ils s'entraident tous. C'est pas top ce système? Hein? C'est pas top? On a déjà fait la mission de ce mois-ci, hein, on est d'accord? Les trois, là. On a déjà fait. Blessure grave, 5 jours, ouais, ça va. On les envoie au centre d'entraînement. Oh la vache, 12 jours. Donc pas d'Elena et pas de Lupo. Pendant 12 jours, donc on aurait Baltoué. On a un ranger, on a un grenadier, on a Freeman, on a l'autre faucheur, on a le templier, on a le spark. Non, ça va, on peut se débrouiller. Ok, go. Chance de paniquer en cas de tir manqué. On va paniquer face à un élu. Faudrait enlever ça, non? Dix jours, ah, ok. Ça va. On a de l'argent. On verra ce qu'on fera, ce qu'on fait la prochaine fois. Je sais pas trop quoi encore. On passera le temps. Je pense qu'on va surtout passer le temps en fait. On a encore 200. On pourrait prendre. Ouais. On verra. On verra. On verra. Parce que là, je sais pas. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, salut, ciao!